Cette exposition Sur quel pied danser est née en janvier 2019 suite à une commande de Vincent Gauguin, qui est directeur du Centre de la danse Pierre Doussain au Mureaux. Il m'a demandé qu'une exposition de photos soit faite et soit le fil rouge de la Biennale. Ça a été le coup de pouce en fait pour réaliser cette exposition. Et donc là, l'expo est accueillie à la Maison des Arts de Créteil. Pour moi, c'est un grand honneur et un grand plaisir. J'avais envie que cette exposition soit multi-inspiration pour pas que ça soit focalisé sur les images et qu'il y ait une ouverture au-delà des images en tant que telles. La collaboration avec Marie-Christine Gueffier s'est faite suite à la visite de son atelier lors d'une journée porte ouverte. Et sur ses tableaux, je voyais des petits mots, des petits textes qui donnaient une ouverture terrible en fait à ses toiles. Je me disais, mais j'adore l'ouverture que ça ouvre, hein. Ça ouvre un univers poétique à ses tableaux. Donc je lui ai demandé, j'ai une exposition qui est en préparation, est-ce que ça te dirait de voir si mes photos de danse t'inspirent pour écrire quelque chose? Donc elle a essayé sur quelques photos et puis ça a marché. Je souhaitais que les textes soient brefs. Je souhaitais que les textes ne soient pas obligatoirement visibles avec les photos. C'est pourquoi on a présenté ces textes dans des petits carnets rouges, que le spectateur est libre de lire, d'ouvrir. Ce n'est pas une obligation de lecture, c'est une proposition, ouais, une proposition artistique. Là, c'est la grande version avec des grands, grands formats. Il y a une autre version avec des photos un peu de plus petite taille qui vont tourner dans plusieurs lieux pendant le Festival Calypso. Et puis elle poursuit sa route au mois de février et puis d'autres dates encore dans d'autres endroits d'Île-de-France et de Navarre.